Salut, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission au cœur des femmes. Bonsoir Elodie. Bonsoir, bonsoir Karine. Tu connais notre invitée de ce soir? J'ai entendu parler d'elle et j'ai la chance ce soir de la voir physiquement. Ouais. Alors, c'est une très belle femme, mais en plus d'être jolie, on dirait que c'est une femme avec plein de potentiel. Oui, elle a plein, mais enfin, on va la présenter, mais je pense qu'elle n'est plus à présenter. Toutes les filles, les femmes de La Réunion, les entrepreneurs, enfin, tu touches plein de secteurs, connaissent Angie. Donc, bonsoir, Angie. Bonsoir, bonsoir. Vous allez me faire rougir, du coup. Tu vas bien? Ça va bien, ouais. Ça va bien, merci. Ça fait juste 3, 4 mois, 6 mois qu'on t'invite sur le plateau. Ouais. T'as réussi à trouver un petit créneau pour nous, vraiment, merci. Ouais, ouais, ouais. Merci d'être ouais. là. Non, je suis contente d'être là. Un gros bisou à ton acolyte qui n'est pas là ce soir. Oui, oui, oui. Ouais, elle avait un col important, donc... Ouais. Donc, non, quand tu dis un col important, je crois, non, elle est à 3 là, elle est ouverte à 3, donc ah là, elle va accoucher. Non, un col. Oui, un col, ouais, merci. Yes, ouais, ouais. Non, je la représente ce Coucou, soir. Coucou Eva, gros bisous à toi. Bonsoir Eva. Alors en fait, on est là pour parler du sujet des influenceuses à La Réunion, parce que tu incarnes, tu es une influenceuse, du sujet de l'événement Les Conquérantes, et surtout du magazine et tout ce qui tourne autour de la femme aujourd'hui à La Réunion. On va parler de plein de choses alors. On va parler de plein de choses, donc restez la même. Alors, juste une petite présentation. Ouais. Vas-y. Alors, Angélique ou Angie ou Angèle, bon ben voilà. De toute façon, dans tous les cas, c'est la même personne. Jeune femme de 30 ans, hein, même si je ne les fais pas. Chouette ouais. Comme ça. Non, mais tout le monde dit qu'elle a 15 ans en même temps, c'est pour ça. Je te jure. Prends-le comme garde-le, parce que ça t'entendra 50. Bah, voilà, oui, bah, j'espère que ça ne fanera pas entre temps. Hein. Non. Mais donc voilà, jeune femme de 30 ans, donc je suis aussi une maman. Oui. Une maman. De deux magnifiques petits-enfants, petits bouts, voilà, une petite fille, un petit garçon, donc Julia et Noah. Je suis également une salariée, parce que je suis dans la fonction publique. D'accord. Je me considère aussi comme entrepreneuse, vu que j'entreprends, mais dans le domaine, dans le milieu associatif. Oui. Voilà, influenceuse également. Alors, dans quel domaine? Alors, tout ce qui touche à la femme. Ok, c'est quoi? Après, c'est varié. C'est quoi ce titre influenceuse-là? Alors, influenceuse, donc c'est, comme le mot l'indique, hein, donc c'est quelqu'un qui influence, donc dans le bon sens, donc qui parle d'un produit ou bien d'un événement particulier et justement qui va apporter des informations sur le produit, l'événement en particulier, donc pour le valoriser, pour parler de lui, etc. Est-ce que tu es payée pour ça? Alors, ça dépend. Il y a des entreprises qui rémunèrent leurs influenceuses. Faut passer par une agence? Non, pas toujours. D'accord. Non, pas toujours. Après, ici, je sais... À La Réunion, c'est quand même un peu particulier. Hein. Ça ne se passe pas exactement comme ça peut se passer en Hexagone ou ailleurs, parce que je sais que... Les influenceurs qui sont très suivis de façon générale, il y a des agences qui viennent et qui négocient des contrats avec eux justement pour les faire venir auprès d'eux et pour négocier après par la suite justement des contrats avec les entreprises, etc. etc. Donc après, c'est vrai qu'ici à La Réunion, enfin moi ça m'a l'air quand même un peu différent de ce qui se passe ailleurs. Ok. Voilà. Et du coup, tu reçois des produits gratuits, tu peux avoir des choses comme ça. Oui, ça peut être ça. Des cadeaux, ouais, voilà, que ensuite tu mets en avant. Ça peut être ça, voilà. À partir de quand on peut se considérer influenceuse? Alors, à partir du moment où on a une communauté. Donc, une communauté, c'est quoi? C'est un certain nombre de personnes qu'on va appeler followers. 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 Yes. Donc, à partir du moment où on a une communauté, des followers donc, qui nous suivent et qui interagissent avec nous, en fait. Donc, nous, en tant qu'influenceurs, donc sur, enfin, quels que soient les réseaux sociaux, hein, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être, enfin, peu importe, ça peut être, comment ça s'appelle? Je ne sais même plus comment il s'appelle. TikTok. TikTok. LinkedIn. Voilà, TikTok, plus TikTok. LinkedIn, c'est quand même plus professionnel. Hein. Ouais. Mais là, à la mode, oui, là, à la mode, c'est TikTok. C'est TikTok. Donc, c'est très contenu vidéo. Donc voilà, donc ce sont des personnes qui touchent une communauté
et qui arrivent justement à leur donner les informations et à faire passer certains messages que les entreprises ou quoi n'arrivent pas forcément. Et puis c'est des influenceurs, ce sont aussi des personnes qui ont une proximité justement avec les personnes qui les suivent. Leur communauté. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir influenceuse ? Alors comment dire ? Alors en fait, si tu veux, moi on m'a donné le nom d'influenceuse alors que je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. C'était il y a 3 ans à peu près. Et en fait, j'avais été invitée à un événement. Alors je sais pas si je peux citer la marque. Bien sûr. Ouais. C'était un événement organisé par Yves Rocher. Oui. Donc je pense que c'est un peu eux en fait ici à La Réunion qui ont lancé le mouvement des influenceurs. Je crois avec Mavic Bright aussi qui sponsorise. Oui, par la suite, ouais. D'accord. Après, je sais pas si elle, je crois pas qu'elle était là pour cet événement parce que ça remonte un petit peu quand même. Ok. Mais du coup, ils étaient venus vers plusieurs personnes qui se montraient un petit peu sur les réseaux, etc. Et du coup, dont moi. Donc j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes, de femmes qui faisaient ce que je faisais, entre guillemets. Et de là, j'ai appris, j'ai connu le mot influenceur, quoi. Okay. Donc, suite à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à cet événement, donc forcément, on l'a relayé sur nos réseaux sociaux à nous. Du coup, d'autres entreprises, d'autres enseignes ont eu vent de ce qui s'était fait, de ce qui se faisait. Et du coup, ça a fait un peu effet boule de neige. D'accord. Et puis, de fil en aiguille, ça a donné lieu à tout ce que je fais actuellement. Et du coup, en fait, quand tu influences, tu as une communauté qui te suit parce qu'elle peut s'identifier à ce que tu fais. Donc, tu communiques totalement. Sur quoi exactement ? C'est-à-dire ? Tu me dis la femme en général, mais c'est quoi ? Enfin, alors, tu moi, me quand je te dis la femme, j'organise aussi des événements. Ah donc, oui, voilà. Effectivement. J'organise des événements dédiés à la femme, dédiés oui. aux femmes. Un gros événement d'ailleurs. Quel type d'événement oui. Alors, donc, ce qui m'amène à un autre point. Vas-y. Donc du coup, les conquérantes. Oui. Donc, c'est venu un peu, c'est né de tout ça en fait, de tout ce travail d'influencing. L'idée m'est venue aussi suite à un voyage que j'avais fait à Dubaï. Oui. Et en fait, à la base, je suis très fan d'un réseau social qui s'appelle Femmes d'Influence Magazine. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup nous voilà. qui partagent et qui suivent. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller à Dubaï. Donc, c'était en 2018, il me semble, 2018. Mmh. Et au cours de ce voyage, donc, j'ai eu la chance de rencontrer justement les fondatrices de ce magazine. On a pu échanger. Sur pas mal de sujets. Et du coup, je leur ai parlé un peu de La Réunion. Donc, elles savaient ce qu'était La Réunion sans trop savoir, sans trop situer sur le globe. Oui, ouais, ce petit point-là, côté voilà, Maurice. Exactement. Ah, si tu dis Mauritius, là, ils connaissent. Ah, là, on connaît un peu plus. Non. Madagascar aussi, on connaît un peu plus. Mais La Réunion, on sait encore. Bon, voilà, ça commence à venir. Mais, Et finalement, elles sont... Et finalement, j'aurais dit, les filles, écoutez, on va faire quelque chose, on va travailler ensemble. Donc moi, je veux que vous veniez sur l'île de La Réunion. Absolument. Donc je pense que vous avez beaucoup de choses à apporter aux femmes ici à La Réunion, à bien des niveaux. Donc on va faire en sorte que ça se fasse, quoi. Ouais, pourquoi c'est des femmes, elles, en quoi ça a été surprenant, en fait, leur réussite ? Je crois qu'elles ont 1 million de followers. Ouais, elles sont très suivies. Elles ont été très suivies très rapidement, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sur Instagram aussi. Mais c'est vrai qu'après, à l'époque, l'algorithme le permettait plus facilement aussi. Donc, ouais. Ça, c'est vrai. Mais elles ont quand même réussi là où beaucoup n'ont peut-être pas forcément réussi, c'est-à-dire à réussir à rassembler beaucoup de personnes virtuellement sur des réseaux sociaux et en peu de temps, en fait. Et en métropole, partout dans le monde. Alors, elles sont très suivies aux Antilles, en Afrique,
en Asie également, en Europe. Alors moi, je peux parler de cet événement-là parce que quelques temps, effectivement, on a eu l'honneur d'être maîtresse de cérémonie pour cet événement. Et c'était super maîtresse de cérémonie d'ailleurs. On s'est amusé, mais on s'est amusé. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand on se retrouve entre femmes, où on brise un peu la glace et on est là pour le même objectif, avec la même intention, c'est juste génial d'amener une salle de 100, 200 personnes où il y a une énergie de malade, où, voilà, enfin, il y a des intervenants qui s'enchaînent. Enfin, c'était une journée extraordinaire, franchement. Et j'espère que c'est pas la dernière. Oui, ben, écoute, bon, déjà, on va voir avec la crise sanitaire, là. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau événementiel actuellement, mais nous, on avait des projets. Donc ben là, justement, on a l'événement Couple Goal, là. Oui. Alors, justement, juste avant, est-ce qu'on peut montrer un petit peu... voilà, alors là, il y a l'affiche Couple Goal. Donc, c'est le dimanche 21 à l'hôtel Diana Lodge. Le cadre, déjà, c'est... on est déjà... Et c'est un événement qui n'est pas forcément dédié qu'à la femme entrepreneur. Exactement. Alors, en fait, c'est vrai que nous, à la base, donc, on est tourné vers la femme. On fait des événements pour la femme liés à l'entrepreneuriat, au salariat. D'ailleurs, bah, durant l'événement que tu avais très bien animé. Donc, on avait du développement personnel, on avait également un atelier en immobilier. Atelier relooking, il y avait même un petit elle oublie sa partie, quoi, un petit défilé de mode. Effectivement, oui, c'est vrai. Voilà, on a eu la chance d'avoir Sandy Robert, Ingrid Maceo, et justement, on retrouve Ingrid Maceo. Sur les relations, ouais. Voilà, sur cette journée de couple goal. Ouais. Donc, et est-ce qu'on peut voir quelques images sur l'événement Les Conquérantes? Tu nous as emmené quelque chose là-dessus? Oui, ah bah voilà, ouais. Voilà, oui, effectivement. Donc, ça, c'était à l'hôtel Mercure Créolia. Yes. On a eu l'occasion d'interviewer Joël Malbranque. On avait interviewé Lucie Ignace. On a interviewé pas mal de personnalités de La Réunion. C'était très, très riche. Après, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait vraiment de tous les milieux, tous les âges. Donc, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir différents points de vue, différentes expériences, différents vécus. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Après, c'est vrai que moi, comme j'étais plus sur la partie organisation, donc bon, je ne l'ai pas vécu forcément... Tu étais un peu partout même. Hein. Oui, bah oui. À la fois, elle était dans les coulisses, mais vraiment. Et en même temps, elle était intervenante, donc c'est quand même incroyable. Tu es la préparation et elle la production en même temps. Elle est multicarte, cette femme. Hein. Oula, on dit. Déjà dans sa vie en elle-même. Oui. Et vous allez me faire bouger encore. Hein. Et puis, on a eu l'occasion de voir des photos aussi d'un petit Meet and Chill. Voilà. Meet and Chill. C'est quoi ça? En fait, on avait organisé un petit événement. C'était l'année dernière. Pour la journée de la femme. Avant le confinement, il me semble. Juste avant le confinement, on a eu le temps de faire un petit événement. C'était chouette, retrouvailles entre. Oui, très convivial, réseautage. On a fait un tour de table. Il y avait une bonne ambiance et puis c'est bien quand on sent que il y a du partage. Ça se fait dans la bienveillance aussi. C'est sûr que quand on sent que c'est bienveillant, on est à l'aise. Souvent on parle des femmes, on parle de concurrentes, on parle de choses un peu négatives et de plus en plus, moi je vois que les femmes sont solidaires à mort. Et je trouve ça extraordinaire. Oui, non, c'est clair. Et puis, je trouve que depuis quelques temps, là, il y a quand même une émergence de ce système de solidarité entre femmes. Je vois, il y a des groupes de sororité aussi. Tu peux citer un, si vous connaissez. D'ailleurs, c'est l'occasion, c'est le moment de faire des coucous à tous les réseaux de femmes. Donc, on connaît Défi Femmes, Belle Association. Après, il y en a. Franchement, il y en a plein de plus en plus. Et c'est vrai que j'incite... Wonder Woman aussi. Oui. On va parler de Wonder Woman. Oh, ça fait plein de femmes. Yes, bah oui, bah parce que du coup, on a des amis aussi... de l'autre côté du globe, hein, que tu connais aussi, coup. Donc voilà, on a des femmes qui œuvrent dans ce sens également, du côté de Dubaï notamment. Oui. Et très investies aussi pour la cause féminine. Donc, À La Réunion, ça bouge, mais il faut savoir que dans le monde entier, ça bouge. Ouais. Puisqu'on a eu l'occasion d'avoir la rubrique Au cœur des femmes du monde. Mm-hmm. Et on est en connexion
avec des femmes du Canada, du Congo, de Taïwan, d'Australie. Et ça bouge énormément. Ouais. Clairement, en 2019, j'ai eu l'opportunité de faire des formations à l'international. Et systématiquement, dans les séminaires de 2 jours, 3 jours, il y avait, on débutait par une formation spécifique femme. Voilà, leadership femme, voilà, comment réussir, comment trouver son équilibre, etc. Mais c'était, il n'y avait que des femmes. Et j'ai trouvé ça, je me dis, mais c'est incroyable en fait. Quel que soit le pays, hein, que j'étais en Afrique du Sud, au Mexique, c'était, voilà, c'était pas... Les choses bougent et je pense qu'elles sont en train de s'équilibrer. Donc c'est très intéressant. On en avait besoin. Et moi, justement, j'ai une question pour... Anna. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à justement à œuvrer pour la femme, à faire tout ce que tu fais pour la femme, clairement, mais pourquoi tu le fais et quelle est ton intention? Déjà, je pense que au fond de moi, je suis quand même assez féministe. Hein. Donc je pense que de toute façon, si t'es pas féministe, tu fais pas ce genre de choses. Hein. Et après, c'est vrai que depuis jeune, tu sais, j'ai toujours eu des modèles féminins en tête, tu vois. Et à l'époque, je me disais, ouais, plus tard, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Tu sais, quand je vois, par exemple, bon, là, c'est dans le milieu politique, mais par exemple, quand je vois une femme comme Michelle Obama, avec le charisme qu'elle a... Moi, c'est Oprah Winfrey, quoi. Oprah Winfrey. Ah, tu vois, elles sont vraiment des femmes, elles ont du caractère, elles ont bon, excuse-moi de l'expression, mais elles ont des coronesses, tu vois. Ouais. Et moi, je dis des ovaires. Elles ont des ovaires. Elles ont des ovaires de malade. Elles ont des ovaires de malade. On va dire ça comme ça. Mais tu vois, en fait, elles imposent, elles inspirent et, par leurs principes et leurs valeurs. Et je trouve que il n'y a pas meilleure inspiration, en fait, que ces femmes-là, tu vois. Mmh. Et elles te poussent à te surpasser et à te dépasser aussi. Oui. Et donc, je pense que c'est le cumul de plein de petites choses comme ça. Mmh. Après l'expérience, le vécu, etc., qui fait que, voilà, à un moment donné, je me suis pesée aussi, d'ailleurs. Pesée, il y a pas longtemps, en plus. Mais je me suis posée et je me suis dit que, voilà, qu'il y avait des choses aussi à faire à La Réunion. Pas mal de choses qu'on pouvait qu'évoluer et je voulais participer... dans ce sens-là et œuvrer pour La Réunion, pour les femmes réunionnaises. Alors, moi, vite fait, tu peux, pas nuancer, mais donner ta définition du féminisme. Alors, ma définition du féminisme... Quand tu dis « je suis féministe », c'est quoi? Parce que là, il y en a plein, j'entends plein de monde derrière. Alors déjà, moi, quand je dis féministe, c'est pas féministe extrémiste. Hein. Mm. Je suis féministe, mais je crois aussi également la place de l'homme. Hein. Bien sûr. Voilà, parce que je pense qu'il est important qu'on avance main dans la main, plutôt qu'on se dise, voilà, la femme, elle est là, l'homme, il est là, ou bien... Donc la complémentarité, voilà, la l'équilibre. Complémentarité, okay. Exactement. Et voilà, et pour moi, le féminisme, c'est se soutenir. Se soutenir entre femmes et des fois mettre un petit peu son ego de côté, ses petits soucis également de côté et ne pas hésiter à aller vers l'autre, à aller vers la femme. D'accord. Parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup à son prochain, tout comme son prochain peut nous apporter, voilà. Ok. Dans tes actions, il y a vraiment beaucoup de... T'as envie de passer un message, t'as envie de laisser une trace, donc t'aurais un petit message pour nos filles, pour les futures générations? Alors nos filles, ma fille aussi, du coup. Oui, oui, oui. Mais quand je dis les femmes en général, filles, c'est vraiment... C'est vraiment quand nous, on ne sera plus là, globalité. Mais c'est vraiment pour laisser quelque chose, un vrai message à pour nos les femmes en général ou bien... Pour les femmes en général, oui. Qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Tu peux regarder la caméra, dis ça là, mais vraiment, Gertrude. Avec mon regard... Ouais, vas-y, fais ta lionne. Qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. C'est très important parce que là, par exemple, je me tiens devant vous, donc là, je m'exprime, je parle, etc., etc. Et je me dis qu'il y a 5-6 ans en arrière, pour moi, ça m'était complètement impossible, en fait, de faire ce genre de choses, tu vois. Non, mais sincèrement. Sérieux ? Ah oui, mais sincèrement. Wow. Organiser des événements, etc. Enfin, tu vois, pour moi, c'était... j'étais spectatrice. Donc, tu vois, je me disais, plus tard, j'aimerais être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça...
J'aimerais pouvoir m'exprimer comme telle personne, j'aimerais pouvoir faire telle chose comme telle personne, etc. Et pour moi, ça m'était pas possible. Tu vois, je me mettais des limites à moi-même, en fait. Oui. Et d'où le terme oser, de ne pas avoir peur, d'oser, d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, chaque petit pas que vous allez faire, ça va vous amener à une étape d'après, à une étape plus grande, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on réalise des objectifs et qu'on réalise des rêves, quoi. Alors c'est sûr qu'on peut avoir des inspirations, des aspirations, on peut avoir des modèles, mais peut-être que ces modèles, c'est pas pour faire du copier-coller, c'est surtout pour nous tirer vers le haut et puis peut-être justement nous ramener un peu plus vers nous-mêmes. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est parce que le mot s'inspirer, il est adéquat. C'est-à-dire, on va s'inspirer, c'est pas copier. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est bon chez cette personne et qui va venir, en fait, réveiller en nous ben, quelque chose. Ben, généralement, si ça résonne chez, par exemple, ben, tu parles d'Oprah Winfrey, toi, Michelle Obama, ben, moi aussi, hein, Oprah, même Lady Diana, etc. C'est que, en fait, il y a déjà quelque chose en nous qui est déjà bien présent et qui résonne chez cette personne-là. Et ce qui fait que ça va venir réveiller Réveiller. cette. Comment dire, cette personnalité peut-être, ou Ces ce valeurs, hein, tout à potentiel, ou ces fait. valeurs, ou ce talent. Il y a des Donc, femmes qui vous inspirent à La Réunion, sinon? moi, oui. Récemment, oui, déjà. Il y a Memona Interman à Fidji, où j'ai regardé l'émission bah, qui a été fait, je crois, sur Un Réunion Première, hommage. quelque chose comme ça. C'était juste extraordinaire. Et D'accord. une phrase vraiment que j'ai aimée et qui a résonné en moi, clairement, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là aussi, c'est avant d'être française, je suis rayonnaise au créole. Oui. Et c'est-à-dire, elle a gardé ses origines. Et vraiment, et là, on est vraiment, c'est sur des valeurs profondes d'origine. Il n'y a pas de discrimination ou quoi D'identité. que cela, pas du tout. Mais vraiment, bah, Bien notre sûr. culture, quoi. Toi, tu as quelqu'un que tu admires, Écoute, une moi, je femme? vais pas chercher loin. Je vais te dire ma mère. Oui. Parce que c'est une battante, parce qu'elle a su m'inculquer des valeurs, des principes, que ben, j'inculque également à ma fille maintenant. Et du coup, voilà, et pour moi, c'est vraiment un exemple. Et je lui dis Coucou jamais. maman. Ah oui, mais Je peut-être lui que dis là jamais, tu peux mais. profiter de cet instant pour lui faire Oui, passer un ouais. message. Mais en plus, vous allez me faire pleurer là, Ah, maintenant. écoute, mais Non, c'est ça aussi l'émission au cœur franchement. des femmes, hein. C'est Mais clair, ouais. vas-y. Mais du coup, voilà, ma mère, c'est vraiment un bel exemple à bien des niveaux et sur plein de choses, quoi. Donc, merci maman Ah, pour tout ce que tu as génial. fait. Merci Voilà. maman d'avoir une fille comme ça. Parce que Ouais. du coup, aujourd'hui, bah, vous lui avez permis d'essaimer et de continuer à dupliquer des actions pour les femmes et à contribuer, voilà, pour les Moi, ce que femmes. j'ai envie C'est de dire, c'est génial. bravo et félicitations, maman, parce que franchement, vous pouvez être fière de vous d'avoir vraiment éduqué, mais aussi été un modèle, être, du moins, elle est toujours un modèle pour votre fille. Oui, mais je pense que beaucoup de mamans d'ailleurs. Voilà. Oui. Angie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu trouves la force de faire tout ça? Peut-être tu as vraiment un vrai pilier avec ta famille, tu es bien entourée. Enfin, où est-ce que tu trouves la force, la niaque pour faire tout Oui, ça? ben, je pense que c'est essentiel d'être bien entouré, surtout quand tu entreprends. Moi, j'ai la chance donc d'être avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mon chéri. Donc ça va faire 13 ans là. 13 ans. 13 ans qu'on est ensemble, donc 13 ans. Vous êtes rencontrés jeunes. Oui, on avait 17 ans sur le banc de l'école. On n'est pas allé chercher bien loin. La poêle, t'es vienne pousser, Mais quoi. ouais, on va dire ça comme ça. Grossièrement dit. Mais oui, 13 ans bientôt, donc presque un vieux couple, hein, si on peut dire ça comme ça. J'adore. Et Attends, on va appeler Marie. Allô, Marie, y a un problème. Et du coup, voilà, oui, je trouve que c'est essentiel d'avoir un partenaire sur qui on peut compter, parce que c'est lui qui me booste, c'est lui qui me dit aussi quand ça va pas. Vous Ça, collaborez des fois, je pense, sur des événements ou pas? oui, on Oui, travaille il est dans ensemble. l'événementiel. Oui, également. D'accord. Donc, Bon, bah, un petit coucou à monsieur. un monsieur qui nous regardera de C'est temps en très temps. important aussi d'avoir un soutien à la maison. Oui, non, c'est clair. Et c'est vrai que c'est pas évident de, comment dire, ben, tout à l'heure, on parlait de communication, donc
de réussir à communiquer, de parler le même langage. Entreprendre en couple. Quand, oui, exactement. Donc, et voilà, non, pour moi, c'est essentiel, c'est un pilier. Hein. C'est excellent. Si, là, justement, avant de finir, et peut-être il y a quelque chose que tu as envie de vraiment partager avec nous, mais avant tout avec les téléspectateurs, ça serait quoi? Peut-être une thématique ou une phrase, un mot, un secret. Un secret. Un secret. Un credo. Un quelque chose que Un secret. Non, je n'ai pas beaucoup de secrets. Non, je déconne. Non, elle met toute sa vie sur Facebook et tout, c'est bon, Karina. Non, je montre seulement ce que je veux montrer. Oui. C'est important. C'est important parce qu'après, c'est vrai que quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut quand même réussir à trouver la limite. La limite. Ouais. Et attention les jeunes, hein, la limite sur les réseaux, on montre pas tout. Ouais. Et bah du coup on parle de réseau, mais oui c'est vrai que c'est important de pas non plus tout montrer. Tout n'est pas bon à montrer, donc faut faire attention parce que c'est vrai que la société dans laquelle on vit actuellement, donc surtout les jeunes, ils sont très réseaux sociaux et des fois ils se rendent pas compte que voilà ça peut avoir des conséquences pour plus tard sur leur vie professionnelle notamment. Oui. Et donc voilà. Oui, bah alors, on a vu qu'elle était influenceuse, on a vu qu'elle avait monté des événements Les Conquérantes. On va peut-être finaliser sur Les Conquérantes Magazine. Mm-hmm. C'était des articles sur des portraits de femmes, sur l'entrepreneuriat, ouais. Vraiment. Voilà. Là, j'ai vu que tu sortais aussi des vidéos. Oui, ouais. Voilà, donc c'est chouette ça. Là, on sort le format vidéo. Donc on a fait un premier essai, c'est sorti là, il y a quelques semaines. Oui. Donc voilà, c'était un portrait sur Malaika. Malaika, ouais. Oui, chanteuse Malaika. Qu'on avait reçue également il y a un an de cela. Ouais, génial. Ouais. Du coup, la vidéo était intitulée Queen Malaika, donc je trouve que ça la représentait bien. Carrément. Parce que c'est vraiment un phénomène, cette femme. Hein. Une réunionnaise qui rayonne, qui a rayonné, qui rayonne à travers le monde. Et je trouve qu'elle a un vécu et une expérience de malade, quoi. Donc elle a côtoyé des personnes que voilà des people à l'international, des artistes et tout, et je trouve qu'elle a beaucoup apporté en termes d'énergie, en termes culturels et tout ici à La Réunion. Donc voilà, un portrait très intéressant parmi tant d'autres. Hein, donc, un petit projet pour l'avenir par rapport à Conquérant. Un projet, ouais. Bah, futur projet. Là, pour l'instant, on va continuer les formats vidéo. Parce que c'est vrai que, bon, avec la crise sanitaire, on peut pas faire beaucoup d'événements. Voilà, les événements, c'est un peu compliqué. Mm. Mais du coup, on essaye quand même de continuer à mettre la femme en valeur via les réseaux sociaux, via le numérique, les vidéos. Et voilà, et au moins, on sait que crise sanitaire ou pas, on peut quand même continuer à s'inspirer sur les réseaux sociaux entre femmes de cette façon. Et voilà. On peut te retrouver où? Alors, sur Conquérant Magazine. Donc, Conquérant Magazine, voilà, Angie donc News. Le Facebook Conquérant Magazine. Après, il y a le site aussi, donc le web magazine www.conquérante.com. Et après, Angie News sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et voilà. Ok, ben, c'était un plaisir de te recevoir, oui, franchement. Ben, tu reviens quand tu veux avec plaisir Eva. Plaisir partagé. Ouais, et ouais. L'association, toujours en collaboration avec tout ce que tu fais. On vous soutient et on soutient vraiment tout ce que toi, Eva, vous mettez en œuvre, vous mettez en place. Ben, donc, merci comptez à vous, sur nous pour ce très bon femmes. Moment. Et merci d'être venue sur le plateau. Ben, merci à vous. Merci. Gros bisous, bonne soirée. Ouais, Elodie, fatiguée. Gros bisous, bonne soirée, et puis nous retrouve rapidement.